revoir, papa. S'il vous plaît. Merci. Veuillez excuser ma fille Michèle. Elle a eu la grippe. Veuillez excuser ma fille Michèle. Elle a dû se rendre à un enterrement. Sa grand-mère est morte. Veuillez excuser ma fille Michèle. Elle a dû se rendre à un enterrement. Son oncle est mort. Veuillez excuser ma fille Michèle. Elle a dû se rendre à un enterrement. Sa tante est morte à la suite de la mort de son oncle. Veuillez excuser ma fille Michèle. Son père est mort. Elle est morte. Tu ne viens plus, Michel ? Non, Mireille. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. Partir, Mireille. Tu viens ce soir à la soirée d'Eric ? Peut-être. Si je suis encore là. À quoi tu penses ? T'as l'air embêtée. Mireille, elle n'en revenait pas, Daniel. J'aurais pas dû lui dire, Daniel. D'ailleurs, toute la journée, j'ai crâné. Comment t'as fait toute seule, Michel ? Je voyais tous ces trams qui allaient à l'école. Je les regardais passer. Eh bien, cela m'exaltait de ne pas monter dedans. Je croyais faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais c'est pas vrai, tu comprends, Daniel? Pas vrai du tout. Oui.
C'était pas ça. Il ne viendra plus ici. Pourquoi tu l'as tant embrassé alors? Je voulais pas le blesser. Plus je sentais que c'était pas ça, plus je me sentais obligée de l'embrasser. Et toi? Moi, je m'en foutais. Et j'avais pas envie de rester comme ça. Viens. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vous plais alors? Oui, assez. Si vous voulez, vous pouvez m'embrasser. Déjà? Oui. Je veux bien. Vous ne sentez pas obligé? Pas du tout. Bon. Laissez-moi. Je préviens, j'irai pas plus loin. Et pourquoi? Ça me suffit pour aujourd'hui. Et puis j'ai pas le temps. Vous êtes très occupée. Terriblement. Faut que j'aille chercher mon amie à l'école. Elle est jolie. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Certainement. Elle a un succès fou, bien plus que moi. Pourtant, vous me plaisez. Tant mieux, mais je me demande. Quoi? Je pense que mon amie vous plairait plus. Elle a de longs cheveux. Et puis, quand quelqu'un lui plaît, elle s'illumine, c'est terrible. Maintenant, c'était, je veux voir le film. Je voulais juste vous dire, je vous trouve belle. Qu'est-ce que vous faites à cette heure dans ce cinéma? Je passe le temps. Je connais pas Bruxelles. Je suis de Paris. Pourquoi vous êtes venue? J'ai un rendez-vous. Avec une fille? Oui. Si on sortait d'ici, j'étouffe. Alors, vous allez lui raconter notre baiser? À qui? Ah, à la fille. Ce serait pas une mauvaise idée. Vous voulez la faire souffrir? Vous avez tout compris. C'est très bête de votre part. J'en suis conscient. Oui, ça fait terriblement, terriblement souffrir ce genre de choses. Je suis bien placée pour le savoir. Vous avez déjà tant souffert que ça? Ouais. Même quand je suis heureuse, je souffre. Oui, je crois que je comprends. Ça m'étonnerait. Et le pire de tout, c'est que je le montre jamais. Jamais, plutôt crevé. Ça doit se voir quand même. Ça m'étonnerait, il n'y a jamais aucune réaction. D'ailleurs, plus je souffre, plus je souris. Je chante même. Je fais des choses extravagantes, je saute. Et alors? Et alors, tout le monde dit quelle joie de vivre, ou je sais pas. Ouais. Dès que je souffre, il y a quelque chose comme de la revanche qui se met en route. Je n'arrête plus de parler, d'être brillante, d'être très drôle. Et à l'intérieur, c'est pas brillant. Venez, je vous offre un verre. Vous savez, si je vous ai dit on s'embrasse, c'était aussi pour faire souffrir quelqu'un. C'était pour le raconter aussi. Ça m'intéressait un peu, mais pas vraiment. Vous savez, si on avait été plus loin, ça l'aurait encore plus fait souffrir. Mais vous pensez qu'à ça? Oui, qu'à ça. À quoi voulez-vous penser d'autre? Moi aussi, je pense qu'à ça en ce moment. La grande affaire de la vie, c'est le sexe. Vous voyez? Si c'est vrai, c'est encore plus désespérant que je le pensais. De toute façon, je préfère dans le noir. Au cinéma, c'est parfait. Ça va bien avec le cinéma. J'adore le goût du sucré avec l'alcool. Sinon, je déteste l'alcool.
Pourquoi vous m'avez dit c'est bête de vouloir faire souffrir? Eh bien, c'est bête, c'est tout. Je le sais que c'est bête. Comment vous l'auriez raconté, le baiser? Eh bien, j'aurais pas raconté tout de suite. J'aurais d'abord pris un air distrait, rêveur. Et alors? Et alors? Jusqu'à ce qu'on me dise... Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? Et alors? Et alors? J'aurais dit... Ben, j'étais au cinéma, comme d'habitude. Bon, et puis? Et puis, on m'aurait demandé quel film t'as vu. Et alors? Et alors? J'aurais dit... Oh, je ne sais plus très bien. T'as l'air détaché comme ça? Ouais, justement. Et alors, on aurait dit, mais c'est pas possible. Alors, j'aurais dit, mais c'est que tu comprends, les films n'étaient pas très intéressants. Alors, je me suis un peu laissée aller avec le type qui était à côté de moi. Donc, moi? Ouais. Vous auriez pu raconter la même chose même sans me rencontrer? Évidemment. Mais j'aime encore mieux quand c'est vrai. C'est une question de sensation. Il y a la fierté en plus. Pourquoi? Le tout est déjà assez moche comme ça. Alors si en plus c'est faux... Ouais, c'est ça qui est horrible. On ne peut pas s'empêcher d'être fier que quelqu'un ait envie de vous embrasser. Et vous? Comment vous allez vous y prendre pour raconter? Moi je ferai pas comme vous. Je l'embrasserai beaucoup avec ferveur, puis après j'oserai plus la regarder dans les yeux. Et après, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas encore. Et ça sera horrible. Ça valait pas la peine de m'embrasser, je vous jure. Si, ça valait la peine. Et pour vous? Pour moi? J'arrive pas à dire. J'aime bien votre conversation. Vous avez déjà volé? Comme tout le monde. Des disques, des livres. Ouais. Moi, c'est ma spécialité. Vous avez un père, vous? Oui, mais on s'est pas encore réconcilié. Depuis quand? Depuis que je suis partie. Je voulais plus de son fric. Vous avez aussi fait vœu de pauvreté comme mon frère? Il est écœuré, mon frère. Écœuré de tout. Normal. Moi, je le vole, mon père. Parce qu'il sait pas comment m'en donner. Ça le gêne. Je sais pas pourquoi. Je le gêne. Faut dire, je sais pas demander. Regardez celles-là. Vous trouvez pas qu'elles sont vraiment extra? Oui, vous avez raison. Vous les voulez? Oh non, je disais ça juste comme ça. Ne croyez pas que vous êtes obligé de m'acheter des chaussures à cause du baiser. C'était gratuit. Vous voulez pas qu'on recommence? Je sais pas. Vous êtes tellement sérieux. Pourtant, je dois avouer, je me sens proche. De moi? Ouais. Et de l'autre, celui que vous voulez faire souffrir? Oui, aussi. Et quand parfois je me sens pas proche, ça m'inquiète. J'aimerais bien toujours me sentir très proche. Mais comme beaucoup de choses que je veux en ce moment, c'est impossible. Impossible, ça rend dingue tout ça. Oui. Et c'est venu d'un coup ce besoin de se sentir proche. Avant, je n'y pensais même pas. Avant, c'était pas pareil. Comment ça, pas pareil? Eh bien, de souffrir même quand je suis heureuse, par exemple. Et puis de vouloir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et puis maintenant, j'ai envie de me battre. Pourquoi? Eh bien, pour tout ce qui est juste. J'éclate. Et en plus, parfois, je suis horrible. Moi aussi. Souvent. Ah, ça me rassure. Mon père, le pauvre, j'ai vraiment été dégueulasse avec lui l'autre soir. Et puis, vous trouvez normal de dire qu'on s'aime en attendant de vraiment trouver l'homme de sa vie? Que c'est en attendant? Vous trouvez ça normal, vous? Je comprends rien. Vous parlez de votre père qui vous aime en attendant que vous trouviez l'homme de votre vie. Mais non, ça n'a rien à voir avec mon père. On n'est pas comme ça chez nous. Mon père est très sérieux, très pudique. Bien sûr, mon père, il aimerait au plus vite que je rencontre l'homme de ma vie. Enfin, un mari. Mais moi, je veux pas me marier. Je lui ai pas encore dit, sinon il pourrait plus dormir la nuit. Vous croyez vraiment? J'en suis archi certaine. Il se met à soupirer parfois quand il me regarde. C'est pas des soupirs exprès. Cela lui échappe. Pourquoi? Eh bien, parce que je veux pas m'habiller chic, par exemple. Vous trouvez pas ça horrible de s'habiller chic? C'est un supplice, de toute façon. Surtout de porter des bas. Oui, c'est vrai. Vous trouvez aussi? J'adore quand parfois des gens sont d'accord avec moi. Surtout que c'est rare.
L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un que le nom brodé sur le tablier de l'école, c'est comme un stigmate. Vous trouvez pas que c'est vrai, sincèrement? Enfin, le nom, c'est quand même mieux qu'un numéro. Mais parfois, c'est vrai pour le nom aussi. Ouais. Pourtant, on m'a regardé comme si j'étais folle. Mais je suis pas folle. C'est tout simplement quelque chose que je sens. Parfois, c'est pas gay ce que je sens. Comme cette histoire de stigmate, c'est pas gay, je suis d'accord. C'est pas la peine de dire tout ce qu'on sent à tout le monde. Pourquoi? Vous savez, tout ce que je sens, je l'écris dans un cahier. Là, au moins, je suis tranquille. Personne ne dit rien. Vous voulez devenir écrivain? Peut-être. Un grand écrivain, alors. D'ailleurs, je vais plus à l'école. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois, de moins en moins. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que c'était fini. D'ailleurs, j'ai jeté mon bulletin. Ça doit faire une drôle d'impression. Venez. J'aime bien les livres sur l'incommunicabilité. Moi, pas. Ça alors? C'est bizarre. Vous connaissez cette phrase? Écoutez bien. Le terrible, c'est que la conscience d'un homme est dès l'enfance subie une pression que toute l'élasticité de l'âme, toute l'énergie de la liberté ne peut pas supprimer. C'est beau, mais attendez la suite, c'est encore mieux. Le chagrin dans une vie peut certes exercer... Le chagrin dans une vie peut certes exercer une pression et déformer la conscience. Celui qui, dès son jeune âge, subit une telle pression ressemble à un enfant qu'on retire avec les fers du corps maternel et qui garde constamment le souvenir des douleurs de la mère. C'est terrible, n'est-ce pas? Oui, ça donne le cafard. Oui, mais un cafard très très beau. Ça me plaît. C'est de Kierkegaard. J'ai lu ça dans un livre de mon frère. C'est lui qui a donné des idées à Sartre. Moi, je suis complètement d'accord avec ce type, ce Kierkegaard. Ce soir, avec ma meilleure amie, je vais à une boum. Vous voulez venir? Non, ça m'ennuie. C'est pas ennuyeux? C'est terrible. J'aime pas quand on est obligé de s'amuser. Mais on n'est pas obligé de s'amuser. On doit juste faire semblant. On doit pas s'amuser vraiment. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, les soirs où ça marche, on se fait embrasser tout le temps, même si on n'en a pas envie. C'est comme ça que ça se passe. Mais parfois, t'en as quand même envie. Oui, on va pour ça quand même. Rien que pour ça? Presque. Et pour danser. Danser, j'aime bien, je danse comme une folle. C'est tout un mélange, les baisers, la danse, ça va ensemble. Venez, vous verrez. Non, j'irai pas. On peut se donner rendez-vous après. Bon, on verra. De toute façon, je vous attendrai. Non, faites pas ça. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de rentrer trop tard ce soir. Vous avez peur de vous faire engueuler? Oh non. Mais c'est trop près de l'autre fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis rentrée à 6h du matin. Toutes les lumières étaient allumées. Il m'a frappée. Il m'a donné une terrible gifle. C'était la première fois de sa vie. Et alors? Il était hors de lui, il tremblait. J'ai même cru qu'il allait pleurer. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, justement, c'est ça qui est terrible. Il a rien dit du tout. Et le plus terrible, ça a été le lendemain matin. Il a recommencé? Non. On voit bien que vous connaissez pas mon père. Non. Il est rentré dans ma chambre. D'abord, il a frappé. Il rentrerait jamais dans ma chambre avant de frapper. Il est très pudique. Je sais. Comment vous savez? Vous me l'avez déjà dit. Ah bon? Enfin, il s'est assis sur la chaise de mon bureau et il a essayé de s'excuser. Vraiment? Ouais, vraiment. J'ai été dégueulasse, vraiment. Je suis restée froide comme un glaçon. Cruellement, je voulais lui faire ressentir comme ça avait été moche de sa part et que c'était pas en s'excusant ni rien qu'il arriverait à ses fins avec moi. Alors, il est sorti humblement de ma chambre. Ça faisait mal. J'avais vraiment envie de pleurer un coup. Alors vous comprenez si je rentre encore tard? Quelle heure? Les 4 heures. Au revoir. Où vous allez? Au lycée. À
Attendez-moi là, j'arrive. T'es tout essoufflée. Je croyais être en retard. On sait bien, le vendredi, je finis plus tard. Qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? On y va ou pas? Bah ouais, allons-y, on sait jamais. T'as un drôle d'air. Non, j'ai rien. Mon rendez-vous à 8h à l'arrêt du tram. Ok, mais t'as un drôle d'air. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Tu rentres maintenant? Oui, toi? Moi, non. Si je rentre, je sors plus. J'ai pas envie que tu rentres. Moi non plus. Qu'est-ce que t'as vu au cinéma? Je m'en souviens plus. Bon, tout à l'heure. Ouais. Alors, vous l'avez vu? Qui ça? Mon ami. Non, je vous ai juste vu courir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites une tête. J'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de marcher. J'ai pas envie de rester assise. Que faire alors? Vous avez déjà eu envie de mourir? Oui. C'est pas marrant. Oh, j'ai envie de rentrer. Oh, et puis non. Zut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre fameuse souffrance? Ça vous regarde pas. Alors c'est que c'est ça. Venez. Vous avez oublié votre cartable. Cela m'est égal. Vous voulez que j'aille le chercher? Non. Un spaghetti à la sauce tomate. Moi aussi. Mais vous avez les cheveux courts. C'est drôle. Je m'appelle Paul et je suis déserteur. C'est pour ça les cheveux courts. Vous l'avez rasé à zéro. Je m'appelle Michel. Comment vous avez fait? Et votre rendez-vous? J'en ai pas. C'est la première fois que je mets les pieds à Bruxelles. Vous trouvez que c'est une bonne ville pour les déserteurs? Pourquoi vous m'avez raconté tout ce bordel sur votre rendez-vous? C'est sorti tout seul. J'ai tellement pris l'habitude de mentir à l'armée. Je voulais me faire passer pour fou. Alors chaque nuit, je pissais au pieu. Et puis je hurlais comme si j'avais des cauchemars terribles. Et puis des nuits entières, je disais rien à personne. Et je regardais les gens avec un air exorbité. C'est comme ça, les fous? Je sais pas. J'imagine. Ça me rassure. Pourquoi? Je fais rien de ce genre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont pas cru. Et j'en pouvais plus. Je croyais que j'allais devenir vraiment fou. Un jour, j'étais en permission. Et ils m'attendent toujours. Et s'ils vous rattrapent? Ils me mettront en prison. Ça, c'est horriblement moche. Plutôt crever. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Où vous allez dormir? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un sacré pétrin. Jusqu'au cou. Ils ont bien failli me bousiller. Ils vous ont battu? Oh, ça, c'est rien. Mais la tête... Moi, je suis une lâche physique. Je crois que si on me torturait, je dénoncerais tout le monde. Qu'est-ce que vous en savez? Eh bien, la semaine dernière, j'étais à une manif contre le Vietnam. Au début, j'avais pas peur, je criais comme tout le monde. Oh, oh, Ho Chi Minh! Oh, oh, Ho Chi Minh! Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, c'était assez exaltant. Trop, d'ailleurs. J'avais envie de pleurer. Et puis, tout le monde s'est mis à courir, moi aussi, et j'ai eu tellement peur. Moi aussi, j'ai eu peur de craquer à l'armée. Ils crient tout le temps. Ça entame la résistance. Il y avait des jours où je me disais, obéis, ce serait plus simple. Ouais, moi je dis ça souvent. Fais ce qu'on te demande, disparais, deviens invisible. Mais bordel de flûte, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut que je trouve un endroit. Je resterai quelques temps, jusqu'à que je sais pas, moi.
que quelque chose arrive. Quelque chose? Tu sens pas, toi, que quelque chose va arriver? Ça peut pas rester comme ça. Non, faut que ça pète. Faut que ça pète. On étouffe. Quand ça aura pété, tout sera différent. On sera plus obligé de se laisser tripoter. Si, ça oui. Ni de se marier, ni de bien s'habiller. Ni d'aller à l'armée. Et il y aura plus d'injustice sur la terre. Ni de pauvres, ni de riches. Tout le monde sera pauvre. Ou riche. Oui, riche, c'est mieux pour mon père. Pour ma mère aussi. La pauvreté, ça lui rappelle le mauvais souvenir. Et il n'y aura plus de nazis. Mais il n'y en a plus? Si, si, il y en a encore. D'ailleurs, ma mère, elle a toujours peur. Elle n'ose pas marcher au milieu de la rue. Elle marche où, alors? Elle rase les murs. Elle le fera plus. Mais t'as une idée de quand ça va arriver? Oh, dans quelques mois. Je sais pas si je pourrais attendre jusque-là. Sortons de là. Pourquoi? Tu vois pas, ils sont foutus avant l'âge. Tu penses que quand on travaillera, on deviendra gris comme ça alors que c'est le boom économique? Faut pas dire des choses comme ça. Ils t'ont rien fait. Si, mon frère. Ils sont simplement contents de rentrer chez eux après le travail. Tu trouves qu'ils ont une tête de content, toi? Tu peux pas savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Mais c'est vrai, ils ont pas une tête de content. Et tu trouves que ça veut rien dire, ça, la tête qu'ils ont? Si, ça veut dire. Mais tu sais, je m'étais habitué à l'armée, des têtes comme ça. C'est pour ça que j'ai pas remarqué tout de suite, comme toi. Regarde celui-là. Ça va pas péter, je te dis. Quand on voit des têtes comme ça, ça peut que pas péter. Oh, j'aime pas que la vie soit pas juste. J'aime pas la vie du tout. Tu mens. Un peu. Non, c'est pas ça. Une minute, je sens quelque chose. La minute après, le contraire. C'est dingue. T'es de nouveau à cran. Ouais. T'es pas obligé de le remarquer tout le temps. T'es pas obligé de tout le temps dire tout ce que je sens. Tu sais, je parie que quand ils rentreront, ils mangeront une côte de porc avec du chou-fleur et des pommes de terre. Et alors? Mais c'est dégueulasse, tu comprends pas? Après toute une journée de travail, la côte de porc, ça me fait souffrir. Tout te fait souffrir. Tu recommences. C'est juste une manière de parler. Enfin, pas vraiment, en vrai. C'est pas la même souffrance que celle de l'amour. Mais j'ai mal. Regarde ceux-là. Ils courent pas. Ils boivent de la bière. Ceux-là, ce sont des révoltés. Ou bien, il n'y a même pas de chou-fleur qui les attend. Possible. Tu mangeais quoi, l'armée? C'était du genre difficile à reconnaître. Plutôt pâteux. Ouais, comme à l'école. Oh, je crois que maintenant j'ai envie que tu m'embrasses. Encore une fois. Alors, t'es consolé? Tu poses trop de questions. Faut pas que tu tombes amoureux de moi, je te préviens. Ça te regarde pas? Non, c'est vrai. Et puis pourquoi faut pas, de toute façon? L'amour, c'est le plus beau de tout, mais c'est le pire. Ça fait mal, c'est horrible. Des fois, je suis restée des jours entiers dans mon lit, à pleurer, à manger des trucs. Les miettes dans le lit, y a rien de plus déprimant. Moi, je me souviens de miettes qui n'étaient pas déprimantes. Quelles miettes? Les miettes de croissant quand on n'est pas seul. On n'est pas toujours malheureux en amour. Oui et non, il y a miettes et miettes. Mais quand j'aime très fort... T'as pas le moral, on dirait. On peut pas dire. Si on faisait quelque chose... Quoi? Je sais pas. Mais partons d'ici. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas d'idée, toi? Moi non plus, c'est la mauvaise heure. Pour les idées? Donc on n'a pas d'idée. Faut pas se forcer. Surtout pas. On est d'accord. Surtout. Pas surtout. Bon, pas surtout. Pas sur Sartre. En général, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un sur Sartre, je lui parle plus. Arrête de me faire rire, je vais faire pipi. C'est pas grave. Arrête, je t'en supplie. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Va derrière une voiture. Non.
Mais, mademoiselle! Mon père dit toujours, sans un travail, un homme n'est rien. Mon père aussi, mais c'est un vieux con. C'est malin. Quoi? De dire ton père c'est un vieux con. Tu peux pas trouver autre chose, non? C'est banal à la fin. Je m'y marre que tu parles tout le temps de ton père. Et l'amour dans tout ça. Il en parle de l'amour parfois, ton père? Il parle jamais d'amour, il est trop pudique. Il parle de mari et de femme parfois, et puis d'argent. Enfin, même pas. C'est juste que ça se sent à sa tête quand il n'y en a pas. Et puis ce qui me tue, c'est cette histoire de salon. Quel salon? Le nôtre? Non. C'est quand il dit, et ça arrive souvent, quand on aura de l'argent, on s'achètera un nouveau salon. Tu sais, il rentre à la maison parfois, et avant même de dire bonjour, de s'asseoir, d'enlever son manteau, avant tout, il s'arrête à la porte du living et il regarde le salon d'un air désespéré. Quel salon vous avez? Vert, en velours. En velours vert, vert olive. Avec des fils qui pendent? Oui, exactement. Comment t'as deviné? On a le même. C'est moche. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as même pas vu. Enfin, c'est pas le problème. Il y a quand même pas de quoi s'en faire à ce point, franchement. Et ta mère, elle s'en fait aussi? Ma mère, elle dit, Alex, faisons pas de bêtises, je t'en supplie. Et elle se tord les mains. C'est pas drôle à cause des futures dettes. Et le salon, il peut encore tenir quelques années. Je croyais que c'était toujours les mères qui voulaient des salons. Quelle idée. Eh bien, ça fait des semaines maintenant que tous les samedis, ils vont visiter les magasins de meubles et ils reviennent comme des ombres. Et c'est pas drôle. Pourquoi? Mais à cause des prix, c'est toujours trop cher. Alors le samedi soir, je sors, je supporte pas. Alors le dimanche, au petit déjeuner, mon père est encore plus malade parce que moi, je suis sortie et que le salon est toujours le même. Moi, mon père, c'était pas son problème. Évidemment. T'as déjà eu envie de te tuer? Tu m'as déjà posé la question. On peut pas parler d'autre chose. D'accord, mais dis-moi juste comment tu ferais. Je me jetterais par la fenêtre. T'oserais? En ce moment, j'ai pas envie. Moi non plus. Mais parfois, ouais. Et toi, comment tu ferais? Soit avec le gaz, soit avec des médicaments. La méthode douce, tu comprends? Pourquoi je comprendrais pas? Où tu vas dormir ce soir? Je sais pas. Sur un banc, dans un parc, ou à la gare. Comme un clochard? Tu vas avoir froid, non? Pas grave. Si j'ai froid, je marcherai. Écoute, peut-être que ma cousine, elle te laissera dormir chez elle, dans la chambre du bébé. On peut aller lui demander si tu veux. Tu crois? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je vais appeler ma mère. Allô, maman? Oui, je sors ce soir. Non, j'ai rien dit à papa. Non, j'avais pas envie. Lily, elle est pas là? En Italie? Pour une semaine. Ok.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear tu dis plus rien. Go by. You can non, j'ai plus rien envie de dire. Beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come tu veux danser. All the way from China. Je veux bien. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind. Si on faisait le lit, c'est triste comme ça. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. Faut bientôt que je parte à la boue. Je voudrais que tu restes. Non, je peux pas. Bon, je vais prendre une douche. And the sun pours down like honey. Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne. T'as un beau corps. J'ai envie de te voir tout nu. Et toi, je voudrais bien te regarder aussi. Oh non. Alors viens sous les couvertures. Déjà fait l'amour? Presque. Qu'est-ce que t'as déjà fait, pas presque? Était toute nue contre le corps d'un garçon nu. C'était ça, le presque. Qu'est-ce qu'on sent? C'est difficile à expliquer. Tu dis la même chose que tout le monde. Tu demandes ça à tout le monde? Non. Enfin, presque. Oui.
drôle d'air. Tu commences avec ton drôle d'air. Si on n'y allait pas. Mais pourquoi? C'est toujours la même chose. Bon, on va danser. T'adores ça en général. Non, ça me fait horreur. T'as toujours dit que t'adorais ça. Non. Je faisais semblant. Qu'est-ce que t'as? Rien, et toi? J'en ai marre de ce train qui arrive pas. Ne t'inquiète pas, il va arriver. Ouais, mais quand? S'il est pas là dans 5 minutes, j'y vais pas. Moi non plus. Si, toi, t'y vas. Si t'y vas pas, j'y vais pas non plus. T'as pas besoin de te sacrifier pour moi. Qu'est-ce que t'as? Rien. Le tram arrive. Alors, on y va? Si tu veux. Non, si toi, tu veux. Alors, bon, on y va. Oui, juste pour voir. T'as vu, il y a le grand Claude. Ouais, celui avec qui t'as flirté la semaine dernière. Oui, toi aussi. Ouais. T'as vu, il parle avec Mireille. Oui, ça va être son tour cette semaine. Pourquoi tu voulais pas y aller? Pourquoi tu veux y aller quand même? Qu'est-ce que j'en sais? C'est vrai que ça te fait horreur? Ouais, terriblement. Et en même temps, non. T'es triste? Non, jamais. Je suis jamais triste, je suis toujours gaie. C'est vrai, t'es toujours gaie. C'est pour ça que je t'aime. Tu vois ce type-là dans le fond, le brun? Il est pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire, pas mal? J'aime bien ses cheveux noirs, ils sont vachement longs en plus. Toi, t'aimes que les cheveux longs à cause de la mode. Est-ce que t'aimerais quelqu'un qui a les cheveux courts?
Chercher partout. Pourquoi? Tu t'amuses? Tu vois le type avec ses cheveux noirs? Il est à l'école chez les cathos. Et alors? C'est les pires. Pourquoi? Il t'a parlé de Dieu? Oh non. Alors? Il s'est collé contre moi et j'ai senti qu'il jouissait. Jouissait ou bandait? Les deux. C'est pas très romantique. C'est tellement... Ils sont tenus dans ces écoles. Et c'est un autre. Le petit blond. Oui, t'as raison, il leur faudrait plus de liberté sexuelle. Le petit blond. J'aime pas les blonds, ils sont fades. Je t'assure, le blond, il est très romantique. Il connaît Rimbaud par cœur, il m'a dit. Ah, c'est pour ça qu'il porte un chapeau. C'est d'un con. Bon, tu viens? Tu sais, il y a un type qui m'attend. Qui ça? Un type. Vas-y, toi. C'est toi qui l'attends. Moi, j'ai envie de rentrer. J'en ai assez. Moi aussi. Non, tu iras de ma part. Puis tu me raconteras. Non, tu me raconteras pas. Tu sais bien, je te raconte toujours tout. Parfois, je préférerais que tu me racontes pas tout. Vas-y, cette fois, ça va être l'homme de ta vie. Je l'ai tout de suite su. Pourquoi? Après, je serai tranquille. Tu devras plus me raconter. Je devrais plus observer ta recherche. Je pourrais à nouveau vivre comme avant, après. Mais tu pleures. Non, c'est toi.